Francesca Pasolini, vous êtes là, vous représentez une entreprise familiale qui est un hôtel dans votre région. Quel est l'intérêt de venir à Lyon, en France, pour se présenter à des opérateurs, à des gens qui font du tourisme français? Et nous avons un hôtelier à Cesenatico, c'est au sud de Venise. Et directement à la plage. Directement à la plage. Et pour nous, c'est tourisme en France, c'est pas nouveau, mais je pense que c'est bel à connaître avec de l'autre opérateur. Et nous avons voulu venir ici parce que je pense qu'il y a des intérêts pour notre région. C'est intéressant. Parce que c'est très belle et nous sommes directement à la plage et aussi et, il y a pas loin de chez nous les montagnes. Et nous sommes bien organisés pour les familles. Marche très bien, c'est nous. On entend votre papa qui parle, hein. On imagine qu'en Italie on mange très bien. Quelle est, jusqu'à présent, la population de touristes qui vient dans votre hôtel vient plutôt de quel pays? Allemagne? Il vient de l'Allemagne, mais tout le monde. Tout le monde vient chez nous parce que nous avons des clients de l'Amérique, international, de la Suisse, du sud de la France, et de l'Allemagne, de l'anglais, de l'Australie aussi, et puis beaucoup d'Italiens aussi. Est-ce que vous vous sentez plus proche, vous en tant qu'Italien, ici au bord de l'Adriatique, de la population française? Est-ce qu'il y a une proximité entre l'Italie et la France? Oui, ce n'est pas loin et vous pouvez venir chez nous parce que il y a aussi l'aéroport de Bologne, ce n'est pas loin de chez nous. Et nous faisons aussi les transferts, c'est gratuit pour notre client. Mais je parlais d'une proximité aussi culturelle. Est-ce que culturellement vous vous sentez proche des Français? Nous sommes à Cesenatico. Cesenatico, par exemple, il y a les portes qui sont de Leonardo da Vinci. Et puis, pas loin de chez nous, il y a aussi San Marino, San Leo, Gradara. San Marino, c'est les plus petites républiques du monde. Alors, Giuliano, vous êtes le père de famille. Hein? et c'est vraiment une entreprise familiale. Si vous aviez deux mots à dire pour donner un qualificatif de votre accueil, qu'est-ce que vous diriez? Comment vous l'appelleriez, cet accueil? Dans votre hôtel. Qu'est-ce que je dois dire? Nous sommes famille, toute la famille travaille entre notre hôtel et nous faisons beaucoup de choses pour faire l'hôtel toujours le plus beau. Nous avons un beau hôtel à 4 étoiles. Le travail en famille, c'est pas trop dur? Non. Nous sommes. Chaque personne fait un travail. Ma femme, elle est dans la cuisine. Et elle est à la direction. Nous sommes une famille bien unie.